Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vidéo game test. Alors aujourd'hui, on continue sur World of Warplane et on teste le AO192, donc un bimoteur de liaison à la base allemand. Qu'est-ce qui fait? Bah, il est un peu lourdeau, il a bon, des points de structure, donc ça c'est un peu normal vu son manque de maniabilité. Donc on va essayer de faire une partie propre avec ce petit avion, qui est, comme son nom l'indique, un bimoteur, hein, donc c'est deux Argus de 275 chevaux à peine qu'on a dessus, donc il ne faut pas espérer des miracles. Il est très lourd. Et c'est bien pour ça que la Luftwaffe lui a préféré le Siebel SI-204, hein, par rapport à lui, pour l'intégrer dans les forces aériennes. Donc là, on fait une petite map où on va essayer de larguer deux bombinettes pour après remonter sur le QG ennemi. J'espère que on va être couvert un peu. On va faire quelques cibles au sol. Une seule, ça devrait suffire. Hop, voilà, ça c'est fait. Et on remonte tout droit après. Ça devrait le faire, voilà. On va essayer de remonter tranquillement au QG. Donc vous voyez que la vitesse de pointe, c'est pas la panacée, hein. Hop, c'est parti. Ça tire un peu, mais ça touche sa cible. Très bien. Donc là, on va essayer de garder les deux dernières pour le QG. Donc on va essayer de monter un peu plus profond au nord. Je vais mettre un coup de boost qui sert pratiquement à rien, vous voyez, puisqu'on est constant sur la vitesse. Et on chauffe relativement vite. Donc je vais engager mon pivot à droite. Et j'ai le QG en visu. Donc on va essayer de passer avec un minimum de vitesse quand même. Hop, c'est parti, on se met en pause. J'espère que mon tireur arrière fera son boulot si je suis attaqué par d'autres. On va essayer de les dégommer comme ça. Attention, c'est parti. Et voilà. Et je pense que je devrais faire notre passage donc pour les finir à la 792, puisqu'on on a deux machine gewehr de 792 quand même. Vous voyez, c'est vraiment pas la top top, hein, quand même. Donc là, on essaye de faire un petit pivot et puis on se replace tranquillou. Et voilà, et on relève et c'est fini. Voilà, normalement c'est propre. On peut faire quelques cibles encore. On va essayer de faire le convoi là. Normalement, c'est une partie gagnante. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce petit avion, bon, qui paye pas de mine, qui peut être utile pour commencer à gravir les échelons de l'arbre techno-allemand. Il est bien résistant, mais c'est un peu normal parce qu'au regard de sa performance, bon, on peut pas faire grand-chose avec, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur VGT, et puis j'espère vous voir plus nombreux à chaque fois. Voilà, allez. Bonne fin de journée et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir.